J'arrive pas à y croire, je viens de détruire entièrement une bibliothèque. J'ai blessé des livres, je suis un monstre. Pareil pour les distributeurs. Tous détruits, anéantis, fichus. Pas le moindre petit indice, on n'a rien trouvé. Et ma marionnette a perdu un bouton pendant notre fuite. Ni moi, j'ai avalé un bouton en courant. Alors c'est juste ça qui vous inquiète. Si on mène cette enquête, c'est pour me faire entrer dans cette école. Mais le doyen Longfellow ne validera pas mon inscription à présent. C'est votre faute. Si vous étiez allé dans cette tour comme vous l'avez demandé, les choses se seraient passées différemment dans une université de cette zone. De toute façon, c'était barricadé. Je suis Vera et j'ai plus confiance dans les livres qu'en mes amis de longue date. Je suis Fred et je n'hésite pas à mettre mes amis en danger pour des indices. Et moi je suis Samy, j'ai toujours faim, j'ai peur de tout, j'ai 12 ans d'âge mental, Et moi je distribue les marionnettes. Je suis Scooby-Doo, je suis le meilleur ami du monde et aussi le plus fort. Pardon? Non, c'est moi le meilleur ami du monde. Je suis le meilleur ami du monde. C'est faux, c'est moi. C'est vrai, c'est toi qui es le meilleur des amis. Non, c'est toi qui es le meilleur. Mais non, c'est clairement toi qui es le meilleur. En fait, vous avez tous tort. Nous sommes tous les meilleurs amis du monde. Oui, c'est bien, mon petit Teddy, mon petit bonhomme, c'est bien.